Le succès d'un trio de jazz n'est finalement pas très compliqué à expliquer. Il y a d'abord une ambiance, une atmosphère, c'est un retour aux racines même de cette musique. On a donné une image au jazz un peu élitiste. On oublie que dans les années, quand le jazz américain arrive en Europe après la guerre, les gens dansaient dans les boîtes de jazz. C'est une musique festive. Alors voilà, donc c'est pas évident de faire danser le public, taper la main comme on peut le faire dans la pop, mais c'est un peu ce que j'essaie de faire. Il faut ensuite que chacun tienne son rôle. En ce 50e anniversaire de la mort du peintre Jean-Gabriel Domergue, qui a donné son nom à la villa, comment ne pas comparer le jazz et la peinture ? Chacun apporte sa touche. En fait, le pianiste, c'est un petit peu le coloriste, je trouve, d'un trio. C'est le peintre, voilà. Il peint un petit peu, il peut apporter beaucoup de choses, beaucoup d'univers, il peut changer très très vite de proposition. Voilà, il y a quelque chose de très mouvant dans le piano qui est lié aussi à cet instrument. C'est un instrument vaste avec beaucoup de possibilités. Dernier élément, l'harmonie au sein du trio. C'est d'elle que découle naturellement l'harmonie musicale. Cette unité aussi vient par rapport à l'aspect humain. Comme on s'entend très bien tous les trois, donc on arrive à trouver une complicité. Le trio, c'est une notion très sensible parce qu'il y a un accord d'une sensibilité extrême, plus que dans le quartet et dans les grandes orchestrations qui font du bruit. Là, vous avez écouté, il y a une sensibilité. Tout est autour quand même de l'archer. La contrebasse, le piano et la batterie ont parlé et se sont répondus, nous racontant de belles histoires de jazz.